Bonjour tout le monde et bienvenue sur Inspiration Cuisine. Voici deux boissons regorgeant de bienfaits pour la santé, digestifs et idéales pour combattre la soif. C'est parti! Pour la première boisson, ça va être un jus à base de concombre. Donc pour ceci, on va prendre un concombre, on va garder sa pelure. Sa pelure contient énormément de fibres, donc facilite énormément la digestion. On va couper le concombre en petits morceaux, comme ceci. On va par la suite disposer nos petits morceaux de concombre dans un mixeur. On y ajoute une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, une cuillère à soupe de miel. Vous pouvez ne rien mettre ou mettre du sucre à la place. On couronne le tout d'un litre d'eau. C'est une boisson qui ne devra pas quitter votre frigo cet été. Elle est super efficace pour vous rafraîchir et vous redonner de l'énergie pendant les canicules. En plus de tous ces bienfaits, le goût est excellent. Donc on va mixer le tout. Vous pouvez décider de le filtrer ou non pour retirer les petits morceaux. Mais ne pas le filtrer reste une meilleure option pour garder tous les nutriments. Au total, ces ingrédients m'ont donné 750 ml de jus. Donc vous pouvez décider de le boire tout de suite avec ou sans glaçon, ou bien le conserver au frais. Si vous faites et buvez ce jus régulièrement, votre santé vous remerciera, croyez-moi, vous verrez la différence. Composé à 96% d'eau, le concombre est un hydratant par excellence. Il aide à avoir une belle peau, aide à la santé cardiovasculaire et contient la vitamine pyridoxine qui aide à lutter contre le stress et l'anxiété. Que demander de plus? Voici un autre petit bijou pour votre santé, la betterave. La betterave est un aliment qu'on sous-estime souvent. Elle est composée de la vitamine carotène qui est bonne pour vos yeux, votre peau et vos os. C'est un antioxydant très puissant qui nettoie le foie et elle contient de la bétanine qui prévient le cancer. Je n'ai pas besoin de vous parler des bienfaits de la carotte et de la pomme. Donc on va éplucher une betterave, une carotte et une pomme. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. On va venir couper la pomme en quatre. Par la suite, on va prendre notre carotte, on va la râper. Puis on va faire de même avec notre pomme et notre betterave. On va pouvoir mettre le tout dans notre mixeur. À ça, on va ajouter 500 ml de jus d'orange et 500 ml d'eau. Le jus d'orange, sans parler de sa haute teneur en vitamine C et de ses autres bienfaits, apportera un superbe goût. Vous pouvez cependant décider de ne pas mettre de jus d'orange du tout et mettre un litre d'eau à la place, ou ne pas mettre d'eau du tout et mettre un litre de jus d'orange. On va venir mixer le tout à nouveau. Et c'est prêt, j'en ai obtenu un litre. Donc pour ces deux jus, vous pouvez les conserver 2 à 3 jours au frais. Ils ont tout pour plaire, la saveur, le rafraîchissement et les bienfaits. Je vous conseille vraiment d'essayer ces jus. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches. À bientôt pour de nouvelles inspirations.